Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez excellemment bien. On va revenir rapidement sur cette étape numéro 19 de la Vuelta parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais vraiment pas grand chose à dire sur cette étape numéro 19. C'était très linéaire ça arrive parfois en troisième semaine. Là, très clairement, le sprint, il n'y a pas vraiment d'opposition, donc très clairement, très très tranquille. Pour cette étape numéro 19. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche. Vous pouvez également aller sur TikTok, la Mérec Production, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez aller voir également sur Spotify EPS 2.0. On commence tout de suite. Étape 19, pas incroyable quoi, hein, vraiment. Moi, je me suis vraiment ennuyé ferme sur cette étape. C'est-à-dire que j'ai regardé, pourtant, j'ai pas regardé le long d'étape, j'ai regardé 60 bornes, un peu moins même de 60 km. Vraiment, je me suis fait chier. Mais pourquoi je me suis fait chier? Parce que ça a été bien fait par la Trek et puis par Bahreïn, de bloquer la course, hein, tout simplement. Leur stratégie, c'était simple, c'était d'arriver au sprint. Ils sont arrivés au sprint, sauf que un sprint avec deux qui sont au-dessus du lot et derrière des mecs qui n'ont quasiment pas sprinté sur ces trois semaines, ça fait une grosse différence de niveau. Il n'y avait pas vraiment surprise de savoir qui seraient les deux premiers coureurs ce soir. La surprise, c'est plus de savoir qui serait le troisième. Mais il y a quand même un écart entre Fred White et Jenny Vermeersch. C'est pas l'étape du siècle, quoi. On va revenir sur l'UCI rapidement, 10 secondes. Il se pourrait que l'année prochaine, on soit 20 au World Tour. C'est con parce qu'il y avait une bonne idée de départ, le fait d'éliminer cette fameuse course au maintien, ça crée du suspense un petit peu, ça modifie la manière de courir. C'est quand même incroyable de changer les règles en cours de saison. Je n'ai jamais vu ça. Ça rappelle presque la FIA l'année dernière. Vous savez, ce Grand Prix d'Arabie Saoudite où d'un coup, le directeur de course a décidé que tiens, les équipes choisiraient leurs pénalités. Ce qui est une première, c'est plus la FIA qui choisit les pénalités, c'est les équipes. Et bien là, on est presque dans le même... Ou la fameuse règle du safety car dans le dernier tour avec Verstappen et Hamilton. Là, c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que pendant toute la saison, ça fait depuis... c'était une règle qui était un peu passée en catimini il y a 3 ans. Bon... Ça, on le sait depuis quand même le début de saison, on le sait tous depuis le début de saison qu'il y a cette règle et qu'il va y avoir cette course au maintien. On connaît tous les tenants et les aboutissants. C'est bizarre, il y a 3 semaines, vous avez le président de l'UCI qui dit « Ah bah si Movistar se retrouve en deuxième division, ça va être terrible. » Bim, Movistar est dans les dernières positions, EF aussi, Bike Exchange, et on se retrouve à avoir ce changement de règlement, enfin ce possible changement de réglementation. Si c'est ça, c'est encore du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que, en fait, non, les équipes qui dépensent le plus d'argent, il ne faut pas qu'elles descendent. Mais dans ce cas-là, fallait pas décider en début d'année de faire cette relégation. Et ce qui fait que donc, en termes de sécurité, on va se retrouver de nouveau à 200 par course. On était, je rappelle, passé à 8 par équipe pour des questions de sécurité. C'est pour ça qu'on peut passer notamment sur les lacets de Montverdier, ce genre de plus petite route sur le Tour de France. C'est parce qu'on est désormais 176 et plus... 198. Si c'est pour revenir à passer à plus de 200, parce que c'est même pas 198, c'est plus de 200. Quid des invitations des équipes de deuxième division? C'est-à-dire que cette année, maintenant, être en deuxième division n'aura plus aucun intérêt, vu que peut-être que vous pourrez plus aller sur les épreuves World Tour. C'est un imbroglio monstre, alors que changer les règles à un mois de la fin de saison, c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est l'UCI. C'est-à-dire que l'UCI... l'UCI, c'est comme la FIFA, c'est comme toutes ces grandes fédérations qui sont gérées de manière extraordinaire. C'est le cas de la FIFA, c'est le cas de la Fédération des sports de glace en France, c'est le cas de la Fédération française de rugby, la Fédération française de football. À quel moment on va se dire qu'une fédération peut être bien gérée? C'est-à-dire, c'est extraordinaire comment les fédérations sportives sont gérées de manière catastrophique. C'est-à-dire, si...
L'UCI était, enfin, si la France était gérée comme l'UCI, ça serait vraiment une catastrophe. Et je pense que les Gilets jaunes, ils auront renversé le gouvernement depuis bien longtemps. Si ça avait été l'UCI, c'est quand même extra. Enfin, ce qui est quand même pas une surprise, parce que je rappelle que notre charmant président de l'UCI a été député. Hein. Il faut savoir, notre président de l'UCI a été député, a eu et maire aussi. Je ne sais pas s'il n'est même pas maire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est maire dans le 78. Je ne sais plus s'il est encore maire. Il a été maire, je ne sais plus s'il est encore maire. Mais il était député maire à l'époque, ce qui est quand même extraordinaire. Enfin, voilà. Alors, selon l'UCI, enfin selon le journaliste, mais qui a l'air d'être très très bien informé, il semblerait que ça soit pour des problèmes de contrat. Donc, si l'UCI a passé une règle il y a 3 ans sans vérifier qu'au niveau des contrats c'était fiable, bah c'est clownesque, c'est ferrariesque, on pourrait dire du côté de la Formule 1, mais c'est clownesque. Voilà, ne pas vérifier les contrats, enfin c'est extraordinaire. Mais c'est l'UCI dans toute cette splendeur. Note de l'étape, j'ai mis 5 sur 20. Bah, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Voilà. On a un sprint, la course s'est décantée à 3 bornes de l'arrivée. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire aujourd'hui. Sur cette étape, je me suis ennuyé parce que le sprint n'est même pas intéressant. C'est même pas un vrai sprint classique où tu as 5-6 mecs qui se bagarrent. Là, on savait que ça allait être Fred White face à Pedersen. Bon. Voilà, bah, ce qui fait que ça a été une bagarre. Pas de bilan des bleus ce soir, déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de bleus qui se sont mis en avant. Il n'y en a qu'un qui sera du côté des flops. Et que bah, il n'y a pas grand-chose à dire non plus autre. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas faire de bilan des bleus. Donc on passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, je commence avec la Trek. Voilà, hein, ils ont fait le job aujourd'hui, la Trek, victoire de Pedersen. Quand tu contrôles toute la journée comme ça, faut pas te planter quand t'es sprinter. Quand ton équipe contrôle de cette manière, mais on aurait pu avoir des craintes quand on les voit rouler très fort dans la première montée en se disant ils limitent l'écart à 2 minutes, 1:20, 1:30. Ils reviennent même sur l'échappée extrêmement vite. On peut se dire à ce moment-là dans la montée, oh, ils vont peut-être se faire contrer. Bah non, parce qu'en fait, ils ont roulé suffisamment vite pour pas se faire contrer. Et ils ont été très forts physiquement. Parce qu'à un moment, on se dit, ah, peut-être que la Bahreïn va rouler plus fort. Mais non, la Bahreïn, elle s'est mise devant. Et puis, bon, on a vu que c'était le même rythme. Il n'y a aucune équipe qui a été en capacité de rouler plus vite que la Trek ou qui avait le souhait de rouler plus vite que la Trek. Parce que, bon, voilà, il y avait aussi cette situation-là. Pedersen, ensuite, bah, il est très bien emmené. Tiberi par exemple qui a fait un énorme boulot il a au moins roulé sur 400-450 mètres Tiberi dans le final il s'est mis après Alex Kirsch et je pense que c'était pas une mauvaise idée. On reverra peut-être ça du côté de dimanche du côté de l'étape des dimanches mais oui bah, Pedersen l'adversité c'était Fred White. Et on voit qu'il est une chouille au-dessus de Fred White, même si Fred White a bien sprinté et on sent que Pedersen, bon, il y a quand même un petit peu de fatigue. Il y a 3 semaines de course dans les pattes. Fred White qui fait quand même une saison assez dingue en termes de résultats. Mais Pedersen, oui, bah, il a été au-dessus. Et puis derrière, la Trek bloque bien fait le job pendant toute la journée, a bien bloqué la course. Il faut saluer la force collective de la Trek aussi ce soir parce que Pedersen seul, il ne gagne pas. S'il gagne, s'il peut avoir son sprint, c'est parce qu'il y a la Trek autour. Et on peut saluer le travail de Kenny Allison, de Julien Bernard, qui ont fait un gros job. Mais tu vois quand même la confiance du mec. Il a quand même été chercher des bidons à 15 bornes de l'arrivée. Il va prendre des bidons à 15 bornes de l'arrivée et il remonte le peloton. Derrière, il gagne. Voilà, il est en pleine confiance, en pleine bourre Pedersen. Il faudra faire attention à lui au championnat du monde. Hein, parce que... le parcours est certes dur. Moi, je suis plus inquiet pour Pedersen. C'est la deuxième montée. La première montée a fait 5 km, mais ce n'est pas des gros pourcentages. 4-5 km, je crois, la première montée. La deuxième montée, c'est un vrai mur d'un kilomètre. Est-ce qu'il arrivera à passer correctement cette pente et surtout de la passer, je ne sais plus, une 12 ou 13 fois. Ça, faudra voir. Deuxième coureur au top, Fred White, lui aussi. Il faudra faire attention. Je ne sais pas s'il est au championnat du monde, Fred White. Je n'ai pas vérifié les start list encore. Il peut pas faire grand chose quoi.
C'est-à-dire Fred White, il a, à la différence de Pedersen, Fred White, lui, n'est pas très bien emmené. Il n'a pas un train à son service. Vous avez Wilson Sanchez, qui l'emmène aux 500 mètres, mais après aux 500 mètres, il est seul. Donc, dans ce genre de situation, bah, tu es obligé de te mettre dans la roue de Pedersen. Surtout que Pedersen ne s'est pas trop laissé faire pour que Fred White prenne la roue de Tibéri. Et à partir de ce moment-là, bah, faut être plus fort que Pedersen. Sauf que si tu n'es pas plus fort que Pedersen, bah, tu échoues à quelques mètres. Peut-être aussi que l'effort pour le replacer aux 500 mètres, il y a quand même un effort sur 200-300 mètres. Ça lui a coûté un petit peu d'énergie dans le final. Mais bon, voilà, face à Pedersen, il n'y avait pas grand-chose à faire. Fred White, c'est dommage parce qu'il lui manque que la victoire. Il fait une très grande saison, Fred White. Vraiment, il est très fort, mais il lui manque le petit résultat qui peut faire la différence pour le moment et qui lui permettrait de vraiment d'être la cerise sur le gâteau aujourd'hui pour Fred White. Il manque juste ça. Après, la saison est très bonne pour le coureur britannique. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Vous allez voir, la vidéo va être assez courte, je pense, parce que je n'ai pas 10 000 choses à dire. Je termine avec Evenepoel. Pourquoi coureur au top Evenepoel? Journée tranquille, hein. C'est vrai que des journées comme ça, c'est toujours plus intéressant et plutôt favorable. Evenepoel, voilà, il avait... Il n'a même pas utilisé énormément de ses équipiers, donc à la veille d'une étape importante comme demain, passe une journée comme celle-là. C'est plutôt tranquille. Alors certes, Henrik Maas a été dans la même situation, voilà, c'est toujours des journées plutôt intéressantes quand vous êtes leader. Il a toujours ses 2 minutes d'avance au général, plus de 2 minutes d'avance au général. Bon, maintenant, il faudra faire le job demain. Il faudra conclure demain, mais il est quand même en ballotage, encore une fois, très, très, très favorable, Remco Evenepoel. Quand tu as une journée comme ça, c'est sûr que c'est toujours plus facile. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec... vous allez voir, du côté des bonnets d'âne, j'ai pas été très inspiré. Je commence avec Caden Groves. C'est là, on voit que Caden Groves qui n'est pas dans l'emballage final parce que malgré sa petite taille, 1m76, le problème, c'est qu'il fait 76 kg. C'est pas Caleb Ewan, Caden Groves. C'est une réflexion à se faire quand même sur l'avenir pour Caden Groves, c'est de voir s'il ne doit pas perdre 2 ou 3 kilos. Parce que c'est très rare quand même dans le monde du cyclisme quand le nombre de kilos est comparable au nombre de centimètres. C'est assez rare, normalement c'est en dessous. C'est assez rare qu'un mec qui fasse 1m85 fasse 85 kilos. Lui, il est dans ce cas-là. Alors certes, il y a du muscle, hein, il a des beaux cuisseaux, Caden Groves. Mais est-ce que perdre 1 ou 2 kilos serait pas intéressant avoir peut-être un meilleur rapport poids-puissance qu'aujourd'hui? C'est une question qui peut se poser. C'est dommage parce que ça, au final, il a peu d'opportunités. Il a que les opportunités sur le plat. Donc c'est, alors qu'il a une taille qui pourrait lui permettre de jouer, pourquoi pas, les sprints un peu plus compliqués, en sachant qu'il finit aussi avec Luc Plap qui traverse quand même cette Vuelta. On n'en parle pas, Luc Plap, mais il a traversé cette Vuelta homme invisible, hein. Luc Plap a un peu de rôle d'équipier, mais alors ça n'a pas été extraordinaire. On continue avec Miles Scottson. Il y avait mieux à faire. Alors, certains diront qu'il fallait tenter le coup. Quand tu es Miles Scottson, je sais bien que tu es capable de faire des sprints longs, de là faire des sprints de 700 mètres, faut quand même pas déconner non plus. Surtout que tu ne fais pas ça quand une équipe est en place. Et la Trek était en place. Donc il aurait mieux fallu qu'il tente de faire top 5, quoi. C'est Miles Scottson, c'est-à-dire que gagner aujourd'hui aurait été une grande surprise. Je sais bien qu'il a une résistance à l'effort, il a un rôle très important dans le train d'Ardennes-Bar. Mais là, autant te dire que ce qu'il a fait n'a pas servi à grand-chose. Il finit 25e parce que de toute manière, l'effort qu'il a fait ne lui permettait... Il a réussi à le tenir 250 mètres, 300 mètres, mais pas plus. Donc partir à 700, 600 mètres de l'arrivée pour faire ça, ça a permis de montrer le maillot de la Groupama, mais je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Quand tu vois un Goldstein, par exemple, 7e, ou Garcia Pierna, 8e du côté de Cairns, tu te dis que le top 5 était réalisable, parce que Ben Turner fait 4.
le top 5 était réalisable pour Max Hudson, mais il aurait fallu faire un sprint de 250-300 mètres. En plus, c'est con parce qu'il était plutôt bien placé à ce moment-là. Quand il attaque, il est plutôt bien placé. Bah, il aurait mieux fallu qu'il prenne la roue de Pedersen, parce qu'à ce moment-là, Fred White n'était pas dans la roue de Pedersen, plutôt que de faire ce qu'il a fait. Et puis, Daryl Impé et Patrick Bivin, mais surtout Daryl Impé, bah, aujourd'hui, pas dans le sprint non plus. Là aussi, assez incompréhensible Daryl Impé, parce qu'il finit très, 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 très loin. Que je le retrouve. Daryl Impé, voilà, il finit dans le groupe à 7 minutes 50, avec Marc Padoun, avec Patrick Bivin aussi. C'est extraordinaire que ce soit Goldstein qui sprint ce soir. Normalement, Impé, il est capable d'être performant sur ce type d'arrivée. Impé aussi traverse la course de manière assez incroyable. Comme, enfin, McNulty aujourd'hui était dans l'échappée, mais il n'a pas été extraordinaire. Mais Impé, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Israël, ça a quand même été sur courant alternatif pendant toute l'année. Hein. Ça, parce que c'est quand même fou sur les épreuves. Voir le tour, ça serait intéressant même de faire un classement, de voir, je ne sais pas si ça existe sur le web, si ça existe sur le web, n'hésitez pas à mettre le lien dans les commentaires, de voir les équipes qui ont marqué le plus de points en voir le tour, et celles qui n'ont pas utilisé les courses 1-1, qui ont enchaîné les courses en Coupe de Belgique. Je pense que Israël doit être mieux classé que la Lotto, peut-être même que Cofidis. Parce qu'ils ont gagné quand même deux étapes sur le Tour de France, une troisième place également, qui a eu des résultats sur d'autres courses, qui a quand même aussi deux victoires, Tour de Suisse, Tour de Romandie. De voir qu'il y a quand même un souci dans le barème UCI, que les classiques 1-1 ne devraient pas valoir plus de points qu'une victoire d'étape sur un grand tour. Là, je pense qu'il y a quand même un vrai problème de barème du côté de l'UCI. S'il y avait eu que ça et pas un changement de règlement en plein milieu, j'aurais pu dire bon, bah, vous ferez mieux la prochaine fois. Sauf que, étant donné qu'il semblerait que la règle change, c'est quand même un vrai bordel tout ça. Je poursuis et je termine avec Primoz Roglic. Alors, Primoz Roglic n'est plus dans la course, vous allez me dire, mais pourquoi je parle de Primoz Roglic qui n'est plus dans la course, qui a abandonné depuis bien longtemps. Eh bien, bien longtemps, depuis le début de la semaine. Eh bien, parce que il a fait un communiqué. Alors, je trouve ça très surprenant. Donc, Primoz Roglic a fait un communiqué officiel avec la Jumbo. Sur le site de la Jumbo, hein, il est vraiment, c'est vraiment officiel Jumbo. Ce n'est pas un communiqué que de Primoz Roglic, c'est un communiqué officiel de la Jumbo pour dire que Fred White est responsable de sa chute. Alors, très clairement, c'est pas... Alors, j'ai re-regardé les images là, il y a quelques minutes avant d'enregistrer la vidéo. Bah non. Enfin, je vois pas comment il peut dire la chute est responsable. Enfin, Fred White est responsable de la chute. C'est plutôt Roglic qui se rabat même sur Fred White. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Alors, que Roglic décide de faire le communiqué en disant oui, bah Fred White, l'autre con. Alors, déjà qu'il fasse un communiqué pour ça, c'est fort. Qu'il fasse un communiqué en plus 5-6 jours après son abandon, je trouve ça assez extraordinaire aussi. Et ensuite que la Jumbo valide ce communiqué et dise c'est un communiqué de la Jumbo, c'est encore plus extraordinaire. Je ne vois pas à quel moment Fred White est dangereux sur le sprint de Roglic. Pour moi, l'erreur, c'est Roglic. Enfin, je ne vois pas à quel moment tu peux dire que l'erreur, c'est Fred White. Il n'y a pas de changement de direction de Fred White. Vraiment, je me suis retapé les images du sprint parce que pour dire, bah, j'ai peut-être raté un truc, tu vois, au bout de 5 jours, peut-être qu'avec 5 nuits à peu près complètes, je vais revoir un truc pas mal. Et puis non. Et puis en fait, bah non, il n'y a pas d'erreur. Donc je vois pas que Roglic décide de faire un communiqué. Déjà, je trouve ça gros, mais qu'ensuite la Jumbo valide sans regarder à droite à gauche, enfin, c'est assez extraordinaire en termes de communication. Pour moi, c'est une grosse erreur de communication de la part de la Jumbo. Que ton coureur se trompe, ok, c'est bien. Déjà qu'il fasse un communiqué, bon, tu peux le dire, ok, on valide les communiqués en avant, mais là, le communiqué est validé, alors que très clairement, il n'y a pas d'action, de Fred White pour faire tomber. C'est plutôt même Roglic qui légèrement déséquilibre hein, Fred White, moi je trouve. Donc, à partir de ce moment-là, je trouve ça extraordinaire. Mais c'est pour ça que je voulais en parler, comme de l'UCI, du classement UCI.
Bon, demain 7h30, présentation d'étape, elle est importante. Cette étape-là, elle va peut-être pas révolutionner le classement général de cette Vuelta, mais il y aura quand même des attaques, il y aura des choses à dire, je pense, demain soir. Plus de choses à dire que ce soir. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, regardez TikTok, regardez Spotify EPS 2.0, et puis demain. Je rappelle également que demain sur TikTok, on fera un débrief des qualifs de Monza. Il y aura des choses à dire également pendant ces 3 minutes sur TikTok. Allez, ciao ciao sur la même production.